Hello, bienvenue sur la chaîne de Fire, j'espère que vous allez bien. Nous commençons une nouvelle série sur Atomic Rops. C'est un petit jeu, je viens juste de faire le tuto. En gros, on est une sorte de fermier, voilà. Et tout simplement, on doit planter et récolter en fait des choses. L'agriculture ne risque rien jusqu'à la nuit. Donc on a une barre d'eau, je sais même pas c'est quoi la touche de la carte. Voilà, je sais juste que tab, on peut découvrir des choses. On peut planter à certains endroits. Réparer le pont. Passer de kit de réparation pour le pont. Alors le jeu m'a vraiment balancé comme ça. Hein. C'est pas moi qui débarque en ayant fait une énorme pause. Je sais juste qu'il faut planter, arroser, récolter. Voilà. Je peux pas faire plus rapide, voilà. Donc, on est timé. Ah, tu as planté ta première graine, mais il va t'en falloir d'autres. Pendant la journée, tes cultures ne risquent rien. Tu peux aller explorer les environs pour trouver plus de graines. Essaie de partir vers le désert à l'ouest. Attaque. On a la chance d'avoir un mode en français, hein. Alors voilà, tout simplement, il faut travailler la terre. Rester à côté, ça arrose automatiquement. Juste travailler la terre, comme si c'était Stardew Valley. Planter si on a des graines. Aller rattraper de l'eau dans le puits. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Et on a juste un pistolet. Voilà. C'est tout ce que je sais de ce jeu. Je ne sais pas s'il est long, si c'est un petit jeu, aucune idée. Je pense que... Oh voilà. C'est les petites runs. Voilà. On peut récolter les pommes de terre. Une fois qu'à gueule, ça veut dire que c'est bon. Voilà. Et il faut faire très attention à surveiller ces plantes. Puisque naturellement, la nuit, il y a des monstres qui ont l'air d'attaquer. Il y a du monde ici, là. Oh non, c'est un bullet L. Ils font des tirs partout, je les ai vus. Non, ça va, en vrai. C'est super lent. Sème des graines dans toutes les parcelles. Oh, j'ai pas le temps de lire. Défends tes cultures. La musique est particulièrement cool. Mais j'ai rien planté en fait. Ah, il y a des mauvaises herbes qui poussent. Et les ennemis attaquent. Mais si j'ai rien à défendre, qu'est-ce que ça change? Vague 1 sur 3. D'accord, donc c'est un tower defense la nuit. Ah, ça m'a donné des graines de citrouille. Oh! De chou. Ah, la traduction est pas complète, hein. J'ai vu cabbage, pumpkin, je vous ai vu. Oh, on arrose super loin, c'est quoi? C'est un bug? C'est prévu? Il faut juste s'approcher. D'accord, il n'y a pas besoin de rester. Il faut juste activer une fois, après ce que tu fais, peu importe. Ah, donc on peut... faut défricher mauvaises herbes, c'est important. On me l'a dit dans le tuto, alors le pourquoi du comment, je ne sais pas. Je suppose que c'est mauvais, donc je vais faire ce que le jeu m'a dit de faire. Non ! Salaud ! Philippe ! De toute façon, on n'a pas plus de graines. Alors, on a des sortes d'abeilles. C'est le bonus de notre personnage. Qu'est-ce que c'est, ça? Retour en ville dans 3-2-1. C'est bon, j'ai complété le niveau? Mais c'était super court. Ah, printemps, c'est des saisons.
Jour 1, printemps, 28. Oh, j'essaie d'expliquer ce que je vois. Alors, les abeilles, ça fait pousser les plantes plus vite quand j'ai regardé sur le choix de personnage. Ouh. Pétarave. Kit de réparation pour pont. Ah, il m'en fallait un pour le sud, ça. Et donc, c'est des sortes de noix. C'est quoi la monnaie du jeu? Pollinisation, toutes les cultures poussent plus vite. Ah voilà, c'est ça les petites abeilles. Ah dommage, j'ai redis pas ce que c'est. Graines du désert, bronze. Nécessite peu d'eau mais mettent un certain temps à pousser. Nuages de pluie. Arrose toutes les cultures et les aide à pousser. C'est quoi, c'est des améliorations? C'est des objets qu'on utilise qu'une seule fois. Graines des plaines nécessitent beaucoup d'eau mais poussent vite. Pétarade. Mortel de loin, un mode, un tubercule. Oh là là! Mitraillette rouillée, tire dans le tas et croise les doigts. Gain 2 points en combat. Alors je peux rien acheter visiblement. Une sorte de rose. Tourner à la ferme. D'accord, donc en fait chaque jour on a un effet boutique. Furiosa! Ah! Big up à Furiosa pour cette scène parce que là j'avoue que. Ah, on peut flirter avec des pétales de rose? Attends. Recevoir graines de tubercure à faire pousser et récolter pour obtenir des soins. Recevoir laxatif, les animaux de la ferme produisent de l'engrais. Mais faut empoisonner les animaux pour qu'ils donnent des engrais. Ok, bon, je crois que la boutique est relativement peu fournie, étant donné que nous sommes au début. Du moins, c'est ma théorie, parce que là, c'est bloqué, là. Donc on va retourner à la ferme. Bon, je vais essayer de moins parler et de plus jouer, hein, je suis désolé. J'essaie de présenter un petit peu le jeu en même temps. Alors, on va en profiter pour explorer le gros groupe de monstres qu'il y avait sur la gauche. Alors, sème des graines dans toutes les parcelles, arrose toutes les cultures et les aide à pousser. Ah, c'est désutilisable, les parchemins, les chiffres, j'y ai repris un coup. Pour retrouver la santé, tu vas devoir trouver des graines de tubercure et les faire pousser. Ah, donc on se soigne pas... Ah, c'est ça qu'ils appellent les tubercures, en fait, c'est des cœurs. Fibre de barbarie. D'accord, donc il y a des petits camps de monstres. Un petit peu partout en fait dans le dans la carte. Oh. Et il faut faut les vider en fait hein, pour avoir la récompense. Ah c'est ça que je récolte depuis tout à l'heure les sortes de figues, c'est d'huile en fait. Bon ça pétarade pas mal hein. Ils vont vite les monstres, la vache. C'est un mini-boss ou quoi? Non. Alors, secousse, étant les terres cultivables, élabore le sol, engraisse. Engraisse? Ah, mais de l'engrais probablement. Mais on a très peu de temps en vrai, hein. Merde, j'ai shooté le lapin alors qu'il dormait. Alors j'ai une pioche, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Ah, j'ai une sorte de rose qui est demandée pour draguer des personnages qu'on a vus par contre dans la zone de la boutique. Tourelle défend les cultures. Poule, une amie qui désherbe les parcelles. C'est déjà l'ennemi? Ah, ça passe tellement vite! Et ils redisent pas ce que chaque parchemin fait, faut ouvrir l'inventaire. La petite graine sème. Alors, on va faire secousse du coup d'abord. Est-ce qu'on peut le faire de loin? Je ne sais pas. En tout cas, mes cultures se font attaquer. Je suis allé trop loin. Ça, c'était sûr. Ah non, c'est la poulette! C'est la poulette! Tout à l'heure, vous parliez de votre amitié avec une truite. Les poissons!
les petits poissons. Left shift. Ah ouais. Ah oui, c'est génial. J'aurais pu plus planter quand même, hein. J'ai été un peu feignant. Alors il y a des bombes qui viennent de super loin. Et c'est assez nerveux en vrai, hein. Je m'attendais à avoir un petit peu plus de temps pour commenter, c'est chaud. Ah, on peut pas creuser la nuit. Ah si si, si si on peut. Merde, mais laissez-moi planter. Parce que j'ai une touche spécifique à appuyer en fait pour récolter. Ça va trop vite. Ça va trop trop vite. Oh, il y a un œuf. La poulette fait des œufs. La poulette fait des œufs. Tout va bien. Il faut vraiment planter comme un ouf. Non, je veux pas aller à la ville. J'ai pas fini de planter. Alors, jour 2, c'était un petit peu plus fructueux, ma foi. Oh, mais les journées passent tellement vite. Je suis à 60 maintenant. Couteau de boucher peut infliger des dégâts supplémentaires et rapporter de l'engrais. Mais on a que ça, quand même. J'ai pas une touche pour changer d'arme. Attendez, hein, je regarde. Hein. Tirer, cultiver, récolter. Tracteur. Pigeon, les shift. Interagir. Ah, et eux, c'est l'inventaire. Ouais, bah écoutez, je pourrais acheter éventuellement le couteau, mais... Sangsue. Aspire l'engrais des ennemis, cultive pour recharger la sangsue. Oh. Les points... Qu'est-ce qu'ils appellent les points de culture? Si peu d'eau... Si beaucoup d'eau... On va économiser pour le moment, hein, parce que j'ai déjà du mal... à faire ce qu'il faut faire. Ah, j'ai pas eu le temps de tout ramasser, abusé. Ok, on a tout planté. Juste lancer l'arrosage. Et y a pas une carte, sérieux? Ils auraient pu mettre une mini-carte quand même. Genre M, non? Ça, c'est pour réparer le pont. Pourquoi une goutte d'eau? Tout n'est pas arrosé? Ah, faut revenir de temps en temps. Ça redemande de l'eau au milieu des fois. Ah, c'est le moment où je suis censé explorer, les gars! Culture ne risque rien dans les journées, il y a quand même des ennemis qui me tirent dessus. Hein. Des ennemis sur les zones à côté, effectivement. Oh mon dieu! Exact. Ah. Donc, ok, c'est des camps de monstres genre de la jungle en fait qu'il faut faire. Comment ça, j'ai joué beaucoup de temps à Dota. Ça veut strictement rien dire. Qu'est-ce que c'est que cette horde de chauves-souris à la con là? Je précise d'avoir toujours pas pu regagner des points de vie. De planter des graines de tubercure. Je n'ai toujours pas trouvé le moyen. Un ami qui creuse, une amie qui arrose. Oh la vache. Nymphe d'or, où te mènera-t-elle? D'accord, faut la suivre. C'est le scarabée d'Aladin. Sauf que. Faudrait que je revienne à la base. D'accord, c'est un ennemi.
nom d'une coquille. C'est un boss monstropode. Non. Oh les vaches, ça s'arrose. Ah, oh, ça pète. Je suis mais harcelé dans ce jeu. Pain lapin, pain lapin, pain lapin. La musique défonce ça, hein, en vrai. Non mais plante. The fuck, mais y a un boss. Ça va, il est. C'est juste un énorme tank le boss. Faudrait qu'il y ait un dash en vrai là. J'aurais besoin de dash. Il y a plein de mauvaises herbes partout alors j'ai une poulette. Plein d'ennemis, non dead. Il y a plein de mauvaises herbes. La poulette, t'es une feignasse. J'ai l'impression que les larves sont un peu plus résistantes quand même. Mais heureusement que j'ai une vache et puis deux abeilles pour m'aider à faire pousser ce bordel. Ah, c'est ça les tubercules. Mais les journées passent trop vite dans le jeu. Oh, comment je suis trop sur le cul. Oh, alors par contre, les œufs là, ça donnait ses causes, hein. Le biodégradateur. Attention, contient des produits chimiques dangereux. Deux modifs, gain un tubercure et deux points en culture. Mais en fait, quand ils disent que ça fait donner deux points en culture, c'est genre des points de compétence. Parce qu'il y a des armes qui donnent, il y a écrit gain un tubercure, ça veut dire que ça augmente tes points de vie auto. Et si j'achetais un kit de réparation pour con? Un lot de pioches. Ils disent pas à quoi ça sert les pioches. Les pioches, c'est pour créer un nouveau... Une nouvelle zone, ça se trouve? Une nouvelle zone pour planter? Non, mais 210, 210. Comment tu veux que je m'achète une arme avec des prix comme ça? Non, mais on va encore parler à la mairesse. Ah. Ah, des choses qui se sont débloquées. Borage, recevoir boîte 2. Obtient 3 poules. Furieuse. Ah oui, c'est ouvert maintenant. Ah, c'est parce que c'est le jour 3, c'est ça. Mairesse. Qu'est-ce que c'est tout ça? Rendement saisonnier. Ah, c'est la fin d'une saison? De turmecure, kit de réparation pour con. Ouais, printanière. Les poules et les dindes ont 50% de chance de changer les herbes en fleurs. Pouvantail. Arrête les balles et repousse les ennemis proches. C'est super cher. Et franchement, bande sonore, les mecs, ils se sont fait plaisir. Tracteur taille, coupe toutes les herbes d'une zone, les herbes coupées, des graines et l'engrais. Broie les ennemis pour en faire de l'engrais. Ça doit être ça les fameux tracteurs. Ah oui, ah, il y a un petit calendrier sur la droite, exact. Une journée, c'est un tiers d'une saison. Été. Mais ça passe super vite en vrai. Ça passe méga vite. Non, faut juste que je rouvre pour savoir quoi fait quoi. Combat augmente les dégâts et la vitesse de déplacement. Culture améliore les capacités de culture et de temps de traction. Temps de récupération des tracteurs et les capacités en pigeon.
Bah écoutez, je vais vous croire, hein, augmente la capacité en pigeon, j'ai absolument aucune putain d'idée à quoi sert le pigeon. Alors, tubercule, tournesol. L'épouvantail, il faut le placer sur une case. Ah, mais il y a plein de trucs à ramasser. Oh là là. Qu'est-ce qui m'a tapé? Il y a un truc qui m'a mis une patate? Putain, j'ai pas fait gaffe. Mais des taupes qui tapent de super. Eh, mais il y a 8000 herbes sauvages. Ah, du coup, j'ai toujours pas été ramasser le sort de scarabée d'or là. Il m'a mis un coup. Il est violent. Tête de citrouille, des potirons poussent autour des épouvantails. Écoutez, je vais vous croire sur parole. Hein. Mais il est méga nerveux ce jeu en vrai. Non, pas la cocotte, moineau. Tourelle tumorale bovine. Les vaches ont une tourelle sur le dos. Fronde, tire une balle quand tu ramasses une graine ou de l'engrais. Des tourelles, sur les vaches, tout va bien. Ah, 13 secondes. Ah, mais ça passe trop vite! Ah, mais les... D'accord. C'est pour revenir directement, ça. Alors, le... Non, je peux pas poser l'épouvantail. Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas poser l'épouvantail. Ils auraient pu faire un tuto qui dure plus que 15 secondes quand même. Non, mais culture, salaud! Philippe! Ça prend 4 emplacements. Non, non, pitié. Pas mes graines. J'ai galéré à aller au bout de la carte pour les choper. J'ai encore bien choisi un jeu bien calme à commenter. C'est pour ça que je préfère les jeux à tour par tour, parce que je peux un peu commenter et dire ma pensée. Je sais bien que je suis pas toujours tip-top sur les commentaires. C'est un travail en cours. Alors, pêche. Non, on va essayer de faire un emplacement à 4. On va essayer d'en planter une avant que l'hélico m'embarque. Non, je peux pas la planter, comment ça se fait? Il manque des infos dans le jeu. Vraiment. 138. J'ai fait un vrai. Non mais jamais je vais acheter une arme. D'abord ça coûtait 100 et quelques. Ensuite c'est monté à 210. Maintenant c'est 840. Pétard mortel de loin. Mortel à courte portée. Mais tout augmente. La poule vient de me donner une graine, là, non? Y a pas moyen de lire que fait la pêche? Parce que j'ai vu que c'était un emplacement de 2 par 2. Pas de turmécure. Ah ouais, mais c'est un truc qu'on peut faire pousser. Inconnu, borage.
Générateur de secours emmagasine une charge de tracteur supplémentaire. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Augmente les statistiques de culture et de combat. Stat plus. Bon bah on va le faire hein. Stats up. Ouais ça donne des trucs différents à chaque fois. Connaissance. Ah ouais. Ça augmente à chaque fois que tu la vois. Mais je vais jamais rien pouvoir acheter en vrai. Si ça fait que de monter. On graisse toutes les cultures. Tremblement de terre. Étend les terres cultivables et laboure le sol. Tu sais quoi, je vais la prendre. De toute façon, si tout augmente, au moins ça je pourrais le dépenser tout de suite. Voilà. Je peux pas planter. Ah, parce qu'il y a déjà quelque chose de planté. Oh, fuck! Ouais, ok, vite, allons à droite. On va laisser la vache et la poule faire leur taf respectif. Ah, après, je peux réparer le pont au sud. Je le ferai la journée suivante. On va essayer de... réparer le pont 2, d'accord. On va essayer de vider un maximum de camps, là. C'est ça, le but. Hey, je fais 20 dégâts, je fais plus 18. Petit drapeau. Tracteur broyeur. Broie les ennemis pour en faire l'engrais. Comment est-ce qu'on active le tracteur? Je ne sais pas. Je ne sais pas, dit le policier. Ok. Essayer de trouver un maximum de camps. Genre. Ok, lui il est pas petit ce camp. Ah, faut tuer ceux qui ont un drapeau. Le reste, on s'en fout. C'est des randoms. Hein. Alors, sème des graines dans toutes les parcelles. On reste toutes les cultures. Oh, sème dans toutes les parcelles en vrai. Y'a un hélico! Y'a deux hélicos! Vache! Les vaches, elles ont des tourelles. Hein. C'est bien les vaches. Et il me reste 10 secondes. Bon, bah, on va rentrer. Vite, y'a un trou en bas à droite. Let's go! Ah, ma fille, une pioche! Ah, la poulette! Ah, les épouvantails! Ah, bah, du coup, je l'ai planté, mon épouvantail! Ok. C'est pas grave, on prend des choses. Au fur et à mesure! Oh, ils sont fat, les ennemis, la vache! Ah, non, là, c'est trop le bordel! Non! Ils ont mis le feu à mes cultures! Comment est-ce qu'on conduit le tracteur? D'accord, ça tue un maximum. Non mais c'est. Mes cultures, non! C'est pas juste! Non mais j'ai utilisé le tracteur, tu sais, le truc qui est censé vider les ennemis. Oh non, mais il casse tout. Non. Je suis en train de me rendre compte à quel point les animaux sont carrément mieux que les cultures en vrai. J'aurais dû prendre des armes. Ah mais j'avais pas de sous. Ils ont tout pété, sérieusement. Ils ont tout cassé. Non mais c'est quoi tous ces ennemis sérieusement? Je galère déjà juste à rester en vie. Oh là là, ça va être à coup de et de pioche, voilà c'était quoi ma journée là. Mais comment je fais pour tout tuer?
deux vaches qui sont en tourelle en plus. J'ai fait mon tracteur, bordel de merde. Oh, oh, ça va être encore un jeu facile. Hein. Il y a trop d'ennemis. Il y a mille fois trop d'ennemis. Comment ça se fait? Ah, c'est peut-être les mauvaises herbes, non? Ça fait pas un malus. Genre, il y a plus d'ennemis ou. Je sais pas, en vrai. J'essaie de deviner pourquoi est-ce que je me fais latter la gueule là. Tracteur prêt, super, merci. Oh, des sorcières, il y en a plusieurs en plus. Non mais même le tracteur là, il m'a pas aidé là. Les sorcières sont trop puissantes. Non ! Sérieusement ? Non, j'ai rien eu le temps de planter les mecs. Ah non, en plus j'étais en train de planter une pêche, vous déconnez. Et tu vas voir que ça va me proposer une arme pas chère là, on parie. Non mais. Mais comment on fait pour acheter? C'est une véritable question. Comment est-ce qu'on fait pour acheter une arme si le coût ne fait qu'augmenter à travers tout le jeu? Ah non, mais là les graines c'est pas le problème hein. Je peux acheter plein. Je peux planter plein de choses. Hein. Tournesol, des figues, pommes de terre, navets. Aïe 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 aïe. Qu'est-ce qu'il est compliqué ce jeu. Enfin, c'est pas qu'il est compliqué. C'est qu'il manque des infos dans le tuto. Et il est dur. C'est dur. Et pitié, on essaie de planter quelques trucs que je puisse ramasser avant que je me fasse exploser. Cadence élevée, qu'est-ce que c'est que ce... Cassadiel ou Cassassi? Non mais laissez-moi une chance. Je peux pas planter des graines de tubercule, hein, tubercule, mes couilles. Les taupes deviennent de... Même les taupes deviennent de plus en plus fortes, c'est des sortes de fleurs maintenant. Oh mon dieu, le nombre de coups qu'il me faut, quoi. Allez, les pioches, ça permet d'augmenter ton... Je peux pas planter une peach, là? Là, il y a l'emplacement, là, 4. Oui, je peux, c'est juste ça prend une plombe, mais je peux. Ah, j'en ai enfin planté une, c'est une énorme plante. Comment tu veux explorer? Ah, c'est dur! Voilà, prochaine balle, c'est la mort. Mais j'ai une poule qui est censée m'aider là, mais elle a fait grève ou quoi? Les ennemis sont trop solides. Ah bah voilà, c'est la fin. Oh! J'hallucine, comment c'était dur! Détail, printemps 138, 433. Oh! Comment c'est chaud! Voilà, donc c'est ça que j'ai vu. Donc elle s'appelle lavande globalement. Commence avec deux abeilles, toutes les cultures poussent plus vite. Ah bah j'ai clairement pas fait ce qu'il fallait hein. Tutoriel, j'ai déjà fait le tutoriel. Ah, le tuto voilà, c'est juste ça voilà. Smell that country air. Tout mignon, il y a l'explosion atomique. D'où le nom Atomic Robs. Non mais... Putain, c'est chaud.
Bah, écoutez, moi je vous propose, on s'arrête là et puis je vais refaire une autre partie. Et maintenant je connais un peu les mécaniques des camps et puis genre les vaches ça arrose et tout. Est-ce que je suis... Il est bien nerveux, hein. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Tas de cajou. Ah, c'est bien, des noix de cajou, la récompense, je pensais que c'était des sortes de cacahuètes. Ah, et ça c'est un truc d'achievement. D'accord. Succès, 5... Ouais, c'est des vrais succès. Bon, écoutez, moi je vous propose, on s'arrête là. Et puis, je vous dis à la prochaine. J'espère que cette mini-découverte de ce mini-jeu vous aura plu. Et puis, je vous dis ciao à la prochaine !